Comme tout à l'heure, un bon départ de Julien Macias qui prend la tête de la course. Une Kevin Barreil, troisième position pour Théo Lemaire. On va attendre un ou deux tours pour faire un classement général. Attention, début ligne droite, on ralentit en début ligne droite. On ralentit en début ligne droite. Merci, la piste est claire. Pareil, face en tête, suivi de Julien Macias. Troisième position pour Théo Lemaire, quatrième Christophe Lefebvre, cinquième Sylvain Genome, sixième Romain Bonneau, Tom Sartel, septième place, Dorian Marcel, huitième, Gilles Bénardeau, neuvième, Louis Smag, dixième, Mathieu Haye, onzième, Johan Vauchel, douzième, Julien Heuret, treizième, et Jérôme Chambon, quatorzième. Attention de demi droite, c'est dans la piste claire. Et la 1 et la 2 qui creusent l'écart sur les tours suivants. Ils sont tous les deux en demi droite. Ils sont maintenant au flot 2 du ramassage. L'équipe passe d'avant-dire à Jean-Bois. Ils sont tous les deux sur le mire à Jean-Bois. En bas de du tire-bouchon. Voilà la descente. Maintenant du tire-bouchon. Le saut. Avant le bunker, la table américaine et le comptage, tous les deux. Voilà donc pour cette première place, une grosse bataille pour la première place entre la 1 et la 2. Ils sont tous les deux maintenant en bout de ligne droite. Le troisième, pas très loin, Théo Lemaire en troisième position. Et lui maintenant en bout de ligne droite. Attention, bout de ligne droite, c'est bon, la piste est claire. Donc les deux pilotes, la 1 et la 2, ils sont toujours en bataille pour cette première place sur la table américaine, tous les deux. Une passe au comptage, la double bosse, la simple, le virage PCR, le début de la ligne droite, le bout de la ligne droite, le tsunami au poste 1, au poste 2 le virage, la simple fête de course qui sont vraiment roue dans roue. Attention la disque, aussi le leader, un peu le leader derrière toi, merci. Par contre, t'es pas obligé de passer, les deux, c'est pas grave. Donc, la 1 sur le virage en bois, la 2 à l'instant aussi, donc dans la même seconde, vous avez la voiture 1 et 2, celle de Kevin et de Julien. Donc un petit classement, la 1, la 2, la 3, la 14, la 7, la 4, la 9, la 12, la 6, la 8, la 11, la 5, la 10 et la 13. Il vous reste un petit peu plus de 3 minutes de course, 3 minutes. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention, mais apparemment la 2 est passée en tête.
peut-être suite à une erreur de la voiture 1, j'ai pas vu le fait de course. Donc la 2 passe au comptage suivi de la 1. Donc il y a eu une permutation entre les deux pilotes. C'est la 2 qui est en tête suivi de la 1. Ils sont tous les deux en position droite. Donc attention au retardataire. Donc la voiture 6, tu as le leader derrière toi. La voiture 6, tu as le leader derrière toi. Attention, début de ligne droite. Attention, début de ligne droite. C'est bon, la piste est claire. Il est à 13 secondes de la tête de course. Quatrième position pour Tom Sartel. Cinquième, Mathieu Hay. Donc en sixième, la voiture 9, suivi de la 4, la 12, la 8, la 5, la 6, la 11, la 13, la 10. Attention, dans le S, avant, le virage en bois, voiture retournée, ramasseur sur le circuit. Faites attention. Voilà, donc c'est bon, la piste est claire. La 4, voilà, la 4, c'était le leader. La 1 en a profité, passe en tête. Il reste 1 minute de course. Ça va se jouer dans les dernières secondes. Donc la 5, faites attention, un leader derrière toi, merci. Attention, la table américaine, on ne saute plus la table américaine. On ne saute pas la table américaine. Faut que je dise combien de fois. La piste est claire. Je n'entends aucun commentaire sur le podium. Allez, toujours la voiture 1, donc en tête. Il reste 8 secondes, voilà, ça va se terminer dans le virage. Donc c'est bien la 1 qui gagne cette planche au profit. Donc la 1 gagne, suivi de la 2, la 3. Voilà, la 1, la 2, on attend la confirmation pour la 3e place.